Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'entraînement complet sur les adducteurs. On va travailler aussi un petit peu les fessiers et les cuisses, mais principalement les adducteurs. Pour cette séance, vous n'allez pas avoir besoin de matériel ou de machine. Les seules choses qu'on va pouvoir utiliser, c'est un coussin et une paire de slides. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une serviette en torchon sur le carrelage, sur le parquet, ça glisse très bien. Sans aucun problème, vous avez sûrement de quoi faire ces exercices chez vous. Donc pour cette séance, 5 exercices à poids de corps et peut-être un slide ou une serviette pour glisser sur le sol. 30 secondes par exercice, 30 secondes de récupération, on fait 4 tours. Il y en a pour 20 minutes au total. Je vous montre le premier exercice, ensuite je lance le chrono, on commence. Et je vous montrerai chaque exercice pendant les 30 secondes de récupération. Premier exercice pour les adducteurs. On va descendre en position de squat, donc position squat bas. On va venir soit attraper les pieds, soit venir mettre les mains l'une contre l'autre. Le coude à l'intérieur des genoux. Le but, ça va être en gardant les talons au sol, bien sûr, de venir rajouter une pression. Donc ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais on vient contracter les adducteurs pour rapprocher les genoux. Évidemment, les coudes bloquent dans les deux cas. Donc une contraction volontaire, on va faire 3 secondes de contraction, 3 secondes où on relâche, 3 secondes de contraction, 3 secondes où on relâche, 3 secondes de contraction, 3 secondes où on relâche. Si vous n'avez pas une très bonne mobilité sur le squat pour descendre en bas comme ça, être à l'aise dans la position basse du squat, vous allez pouvoir le faire en étant assis, par exemple avec un coussin que vous venez compresser, écraser entre les jambes pendant 3 secondes et vous relâchez 3 secondes. 3 secondes, vous serrez à fond le coussin et vous relâchez 3 secondes. Et ainsi de suite. Donc voilà pour le premier exercice. Je lance le chrono et on commence. Allez, c'est parti. 30 secondes. Donc sur ce premier exercice, 3 secondes où on vient presser les genoux, on cherche à les rapprocher. 3 secondes où on relâche. À vous d'ajuster la résistance, bien sûr. Allez-y progressivement. Trois petites secondes. Ok, relâchez. Prochain exercice, ce sera des fentes. Fentes en arrière où on vient croiser derrière. Soit on garde la pointe de pied au sol, soit on peut le faire pied à plat. À vous de voir, on va alterner droite et gauche. En alternant et on vient croiser derrière. Donc on va travailler adducteur, fessier, un petit peu les ischios et les quadriceps. Dans 6 secondes, c'est parti, même pas maintenant. Allez, c'est parti, 30 secondes de fente croisée. À votre rythme, première série à la limite. Premier tour sur les 4 pour jauger les exercices, s'approprier les exercices. On pourra accélérer sur les séries suivantes. 5 secondes, gardez bien le pied avant à plat. On est bien pour ça le pied arrière loin. Et fléchissez bien le genou arrière pour baisser le bras. Relâchez. Prochain exercice, c'est là où on se sert des slides. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre les genoux sur une serviette, un torchon. Sur du parquet, du carrelage, ça glisse très bien. Le but, c'est de venir écarter pour resserrer les genoux. Et donc là, ça va être un gros exercice pour les genoux, pour les adducteurs. Ok, c'est parti. 30 secondes. Contrôlez bien le mouvement. Vraiment, sans les adducteurs se contracter pour revenir. Plus vous êtes sur un sol qui glisse, mieux c'est. Moi, je ne vous conseille pas forcément ce tapis pour cet exercice du coup. 3 petites secondes. Ok, relâchez. Ensuite, on va faire des fentes latérales. On vient pied parallèle, bien écarté. On va venir passer d'un côté à l'autre sans remonter. En cherchant à être bas, tout en maintenant un joli mouvement, pied parallèle, pour 30 secondes.
pouvez vous placer, on part dans 5 secondes. Et c'est parti, 30 secondes, on passe de gauche à droite, de droite à gauche, on essaye de ne pas remonter, de ne pas stopper le mouvement, de se retrouver genoux et mi-écoutille vers l'extérieur avec la jambe d'appui, de garder le corps droit au maximum, on peut mettre les bras devant pour s'équilibrer, les fesses vers l'arrière. 5 secondes, même pas. Ok, relâchez. Prochain exercice, un peu plus cardio, un peu plus dynamique. Un squat avec les pieds larges. On saute, on les rapproche. On rebondit juste, jambes serrées. Et on redescend en squat en écartant les pieds. Dans 10 secondes. Donc un squat pieds larges. C'est parti. Un saut, on rapproche les jambes, on rebondit et on réécarte pour refaire un squat. 30 secondes. Comme ça. Toujours sur le squat talon au sol, genoux vers l'extérieur, les fesses vers l'arrière, ça ne change pas. Ok, relâchez. On a fait le premier tour, il en reste 3. Maintenant, vous connaissez les exercices. Vous allez pouvoir les ajuster en fonction de vous, rajouter plus ou moins de force quand on serre le genou, accélérer sur les pentes, accélérer sur les squats. Vous connaissez les exercices, à vous de jouer maintenant. Dans 10 secondes, deuxième tour, on recommence avec celui où on vient presser les bras. Allez, c'est parti. 3 secondes où on force, 3 secondes où on relâche. 3 secondes où on force les genoux vers l'intérieur et on relâche. Expirez quand vous forcez, inspirez en relâchant. Cinq petites secondes, le temps d'en faire un 2, tant pis si on fait une seconde ou deux de trop. Ok, relâchez. Ensuite, ce sera les fentes croisées. Un peu plus de 15 secondes pour récupérer. Normalement, les adducteurs chauffent. Allez, 4 secondes, on peut se placer. Et c'est parti. Donc on va chercher loin derrière pour garder le talon au sol. Donc pliez bien le genou arrière. Si vous gardez la jambe tendue, ça va vous pousser vers l'avant. Cherchez à contrôler le mouvement, à garder au maximum l'équilibre. Trois petites secondes. Et relâchez. Ensuite le slide à genoux, on vient ouvrir et fermer. On peut se placer tranquillement. Dans 5 secondes. Et c'est parti. On ouvre, on referme. En même temps, gardez le corps droit au-dessus, ne vous écroulez pas à chaque fois. Allez, 10 secondes. Ok, relâchez. Ensuite, ce sera les fentes. On va d'un côté à l'autre sans se relever. Profitez de la récupération, une vingtaine de secondes encore. Allez, 10 secondes.
en place. Et c'est parti, donc pieds parallèles, genoux sur l'extérieur en fin de mouvement, les fesses vers l'arrière, on essaie de ne pas remonter à chaque fois. Ça demande un petit peu de souplesse, celui-ci aussi, quand même. Plus vous êtes souple, plus vous allez pouvoir écarter les pieds, bien sûr. Si quelqu'un arrive à le faire en faisant le grand écart, dites-le moi dans les commentaires. Ok, relâchez. Et ensuite, ce sera les squats. Squat large, un saut vers l'intérieur, on redescend. 15 secondes. Normalement, l'effort est surtout musculaire. Sur le plan cardiaque, on ne monte pas trop en fréquence, à part avec cet exercice-là. Allez, c'est parti. Un squat, un saut. Un squat, un saut. À chaque fois, on alterne, on revient. Essayez de rebondir. Quand vous sautez à l'intérieur, essayez juste de rebondir. Trois petites secondes. Ok, relâchez. 30 secondes avant la prochaine série. On a fait la moitié de la séance. Il reste deux séries. On a fait deux séries. Deux tours. 10 minutes de passé. Il en reste 10. Le prochain, c'est celui où on cherche à rapprocher les genoux vers l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc 3 secondes de force pour ramener les genoux vers l'intérieur, évidemment les coudes les empêchent. 3 secondes où on relâche. Expirez en forçant, inspirez en relâchant. Évidemment, doser cet effort, cette résistance. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur aiguë, de pointe ou autre. Il faut juste que ça chauffe. Ok, relâchez. Ensuite, ce sera les fentes croisées dans 30 secondes. Allez, on va en place pour les fentes dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Fente en se croisant derrière. On garde le corps bien droit. Les mains soit devant, soit sur les hanches pour vous aider. À vous de voir, mais venez croiser, chercher. Derrière, plus vous allez aller chercher sur le côté, plus l'adducteur va travailler et le fessier aussi pour vous remonter. Ok, relâchez. Après ça, ce sera le slide. Hop, on peut déjà se placer en attendant de commencer. 15 secondes. Vous pourrez me dire dans les commentaires quel exercice est pour vous le plus dur, quel exercice est pour vous le plus facile, lequel vous trouvez le plus efficace. C'est parti, donc deux secondes, on discute. Mais tant pis, on fera 2 secondes de plus à la fin. On coupera un petit peu plus la récupération suivante. Allez, 6 petites secondes. En rajoutant les 2 secondes de retard au départ. Ok, relâchez. Ensuite, ce sera défendre, on passe d'un côté à l'autre. Deux exercices encore pour cette série. Dans 10 secondes. Allez, 5 secondes, on peut se placer.
jambes écartées. Et c'est parti, on descend d'un côté et on passe de l'autre sans remonter. Ou le moins possible, on cherche à avoir les fesses toujours le plus bas possible. Et baissez bien les fesses, pas les épaules. Le but, c'est pas d'avoir les fesses en l'air, les épaules basses, ou juste passer d'un côté à l'autre. Il vaut mieux garder le corps droit, même si vous êtes un petit peu moins bas. Trois petites secondes. Ok, relâchez. Et on termine cette série avec les squats, en sautant, en resserrant les jambes. On réécarte pour faire à nouveau un squat. Secondes. Allez, 5 secondes, préparez-vous. Et c'est parti. Un squat, un saut à l'intérieur, un squat. On enchaîne, pas de temps mort. 30 secondes, ça passe vite. C'est le seul exercice où le cardio monte un petit peu plus. Il y a 30 secondes de récup après. Allez, 5 secondes, 3, 2, 1, ok, relâchez, on a fait 3 tours sur 4, un dernier, dans 5 minutes on a terminé, soufflez 30 secondes et on attaque le dernier tour. Dans 10 secondes. Allez, 5 secondes, vous pouvez vous placer pour cette dernière série. Et c'est parti, 3 secondes en forçant, 3 secondes où on relâche, 3 secondes en cherchant à ramener les genoux, 3 secondes où on relâche. Alternez, je compte sur vous pour ne pas tricher. Allez, moins de 10 secondes. 3, 2, 1, ok, relâchez. Ensuite, une dernière fois sur les fentes en croisant vers l'arrière. Secondes. 4 exercices et on a terminé. Allez, 5 secondes, placez-vous. Et c'est parti, 30 secondes, on va chercher loin derrière, sur le côté opposé, on croise à chaque fois, on vient étirer l'adducteur, les adducteurs, les dernières secondes, ok, relâchez, ensuite une dernière sur le slide, donc slide sous les genoux, dans 15 secondes, placez-vous, on part dans moins de 10 secondes, Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 30 secondes, c'est la dernière fois sur cet exercice, on ne s'arrête pas. Vous pouvez chercher à vous grandir à chaque fois que vous rapprochez les genoux. 15 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, ok, vous pouvez pousser les slides, on ne doit plus s'en servir, en tout cas pour cette séance. 20 secondes, ensuite les fentes sans remonter, fentes latérales. Allez, placez-vous.
dans 3 secondes. Allez, c'est parti. 30 secondes. C'est les 30 dernières sur cet exercice. Aucune excuse. On ne s'arrête pas. On ne remonte pas. On garde le corps bien droit. C'est les fesses qui descendent. Les adducteurs qui travaillent. 30 secondes, un mouvement fluide. Allez, moins de 10 secondes. Jusqu'au bout, vous n'arrêtez pas. 3, 2, 1. Ok, relâchez. 30 secondes de récupération. Et après les 30 dernières secondes d'exercice, le squat, le saut, le squat, le saut. Vu que c'est les 30 dernières secondes d'exercice de la séance, on peut accélérer. Donnez l'énergie qui vous reste pour pas avoir de regrets ensuite. Donnez tout. Tant que le mouvement reste propre. À aucun moment, même si on accélère, les genoux partent vers l'intérieur. Faites attention à ça, il vaut mieux bien le faire et en faire un petit peu moins que vouloir aller trop vite. Là où vous pouvez gagner du temps, c'est sur le saut à l'intérieur. Allez, on ne s'arrête pas. Vous pouvez accélérer si tout va bien. Les genoux toujours vers l'extérieur, les talons toujours au sol sur le squat. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Bravo. Vous pouvez souffler, vous êtes arrivé au bout. 4 tours, 5 exercices, 20 minutes de séance. Normalement, les adducteurs ont bien travaillé. Vous allez pouvoir vous étirer. Vous pouvez retrouver une vidéo d'étirement sur cette chaîne. Voilà, vous pouvez enchaîner avec une autre vidéo pour l'ensemble du corps ou le haut du corps par exemple. J'espère que cette séance vous a plu, que les exercices ont été efficaces pour vous. Si c'est le cas, vraiment, je vous encourage à les refaire régulièrement. C'est la seule manière de progresser, de répéter les exercices. Vous les faites régulièrement, vous pourrez augmenter la difficulté au fil des séances. Si vous cherchez d'autres exercices sur les adducteurs, j'ai fait une vidéo qui en regroupe un petit peu plus de 30. Donc vous allez pouvoir trouver votre bonheur pour agrémenter cette séance, rajouter des petits exercices, rajouter des petites difficultés. Tapez VP Coaching adducteur, vous allez la trouver. Dites-moi dans les commentaires comment cette séance s'est passée pour vous. Si c'était facile, si vous avez eu du mal mais vous l'avez fait, vous avez tenu jusqu'au bout. Et bien sûr, si la séance vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner sous la vidéo pour ne pas rater les prochaines séances. Et moi, ça m'encourage vraiment à vous proposer de nouvelles séances, de nouveaux exercices. Merci d'avoir fait cette séance avec moi. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel entraînement.